Lucie s'en est tout de même ouvert récemment avec l'une de ses collègues de l'association, une certaine Ingrid, conseillère en images. C'est peut-être d'elle que viendrait la solution. Lucie doit apprendre à aimer sa nouvelle apparence. Elle est tellement en conflit avec son corps, son image, que je me dis, le style, je sais que ça va lui aller, mais est-ce qu'elle va l'accepter? Est-ce que c'est quelque chose qu'elle va reconnaître qu'en effet, ça la met en valeur? Est-ce qu'elle va pouvoir se regarder dans le miroir entièrement? Et ça, c'est compliqué pour moi. Bonjour! Ah, par contre, toi, c'est même pas la peine. Mais de toute façon, t'oublies, hein? Ouais, mais ça tombe bien. c'est la maille que j'aime pas. Et effectivement, ça va être très compliqué. Dès le début, Lucie va avoir un rejet systématique face à tout ce que Ingrid va lui proposer, comme cette petite robe blanche. Ah là, c'est pas possible. Je te le dis tout de suite, là, c'est niette, niette, niette. Je ne sors pas avec ça. Mais des talons? T'as essayé avec les talons au moins? Non, non, mais j'aime pas. Je me retrouve avec mes 110 kilos. Je ne sors pas comme ça. C'est là où je me dis. Qu'elle n'assume pas. Elle n'assume pas du tout son image, ses choix, les couleurs, et qu'elle n'est absolument pas sûre des coupes de vêtements qui lui vont. Là, il y a vraiment un blocage. Ça va? Je la trouve très, très courte. C'est aujourd'hui qu'il faut montrer les gambettes. Oh la vache. Non, mais là, tu te rends pas compte. Hein. Elle va tout de même finir par l'essayer, cette petite robe. Et c'est très mal à l'aise qu'elle va ressortir de la cabine d'essayage. C'est beaucoup trop court. Enfin, juste au-dessus du genou, ça irait. Comment tu te sens? Je me sens mal, direct. Là, je ne sors pas comme ça. D'accord. Je sors comme ça si je renfile un pantalon. Par-dessus, ok. Là, je ne sors pas comme ça. Mais c'est normal, déjà, tu n'es pas habituée. Je trouve que je suis vraiment à la limite de la vulgarité pour moi. Ingrid va donc laisser Lucie faire son choix dans le magasin. Celle-ci va se tourner vers cette jupe kaki, mais sans grand enthousiasme. Je l'aimais bien, en fin de compte, en modèle, là-bas. Et sur moi, ça ne va pas du tout, regarde là. Là, on revoit tous les défauts que je veux cacher. Là, on dirait que j'imagine même pas de profil. Voilà, de profil, ça me refait un plus gros ventre. Oh, non. Quant à cette robe noire et ce blouson marron, ça ne fera pas l'affaire non plus. La couleur de la veste ne va pas. Elle est trop sombre par rapport à mon teint. Ingrid va donc reprendre la main et revenir à sa première idée. Il faut du blanc pour Lucie. Mais avec un pantalon cette fois-ci, et là, le miracle va enfin avoir lieu. Ça cache pas, là. Mais c'est joli, hein. J'aime bien l'ensemble. Par contre, le haut, j'adore. Je cache pas. Vas-y, tourne un peu, regarde-toi. J'aime bien au niveau. Même au niveau des fesses, du coup, il tombe super bien, je vois pas les fesses. Bon, le haut, tu peux très bien le porter, ouais. Y a pas de souci. Le bas, il faut changer. Un nouveau pantalon, clair lui aussi. Et pour la première fois de sa vie, Lucie va être heureuse de se regarder dans une glace. Alors? J'aime beaucoup. Vraiment, mais alors vraiment. Oh, la vache! Tu aimes ce que tu portes. Est-ce que tu peux te regarder? Ah ouais, bah le miroir, c'est bon, là, c'est mon copain. Là, ça me gêne pas, il n'y a rien qui me répugne là, dans ce que je vois. Je vois pas mon ventre, je vois pas mes hanches. Mes cuisses, je les trouve super belles. Mais là, vraiment, là, je me dis, là, je les vois les kilos perdus dans mes cuisses. Je les trouve très, très, très belles. Elles sont généreuses, mais elles sont très jolies. Là, j'ai pas l'impression qu'il y a 10 minutes, j'étais complexée par mon image. Ah non, là, il y a tout qui m'attire. Ça va jusqu'au moindre détail. Il n'y a rien qui me choque. Rien. Donc, habillée comme ça, tu peux te regarder dans le miroir de la tête aux pieds. Là, je me regarde. T'as vu, même, je me dévisage. Là, je suis en train de me bouffer. Non, j'aime beaucoup. Parce que là, je me vois maigre. Je suis en train de découvrir mon visage avec les kilos en moins. On a senti qu'il y avait une Lucie, là, qui était au fond, à l'intérieur. Waouh, qui sortait, là, qui commençait à sortir. C'était différent. Les yeux, le teint, on voit, tout était lumineux. C'est beau. Il n'y a pas d'autre mot, en fait. L'ensemble est magnifique. Je suis belle, tu peux le dire. Je suis belle. Ouais, ça, je le dirais pas non plus. Je trouve ça joli. Je trouve vraiment l'ensemble magnifique. Tu te trouves jolie? Ouais, je me trouve bien.